Bonjour à tous et merci du coup aux organisateurs, à Agnès de la Ville et à toute l'équipe de m'avoir invité pour participer à cette journée. Je vais commencer par me présenter du coup mon parcours et puis effectivement je vous parlerai ensuite de mon quotidien en tant que data analyst travaillant dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai une formation d'ingénieur à l'Université de Lyon, que j'ai complété par un diplôme universitaire en game design, parce que je voulais justement m'orienter dans le jeu vidéo. J'ai eu mon premier emploi dans une boîte qui faisait du jeu casual sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc la boîte s'appelait Addictiz. Elle a notamment édité un jeu qui a eu pas mal de succès à l'époque, qui s'appelle Paf le chien. Il a pas mal marché en France, donc peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce mini-jeu sur Facebook. Je suis parti ensuite à Londres pour travailler avec un gros publisher de jeux vidéo qui s'appelle 505 Games, qui a notamment publié des jeux comme Rocket League ou Payday, etc. Enfin, on a beaucoup, Terraria aussi, c'est eux. Et en tant que data analyst, du coup, moi, j'étais assigné à certains produits pour lesquels l'analyse de données prend tout son sens, à savoir les jeux vidéo free-to-play. C'est d'ailleurs l'un des points que je vais vous parler un peu durant ma présentation, c'est que l'usage des données dans le cadre du jeu vidéo s'applique d'abord et avant tout sur les jeux gratuits, en fait. J'ai eu aussi des missions pour Fnatic, qui est une organisation d'e-sport assez connue, et là aussi dans le cadre de l'e-sport. Donc l'e-sport, peut-être qu'on vous en a déjà parlé, mais c'est le principe, c'est de jouer à des jeux vidéo de manière compétitive. Et dans ce cas-là aussi, en fait, l'analyse de données peut avoir un intérêt. Je n'en parlerai pas beaucoup parce que ce n'est pas du tout le sujet de cette présentation, mais je le signale. Je suis rentré en France il y a 3 ans. Je suis consultant du coup pour plusieurs boîtes de jeux vidéo françaises et même si j'ai certains clients à l'international. Effectivement, les données, on le vend en poupe dans le jeu vidéo depuis maintenant, je dirais, une demi-douzaine d'années. Et il y a énormément de demandes, en fait, sur ce segment. Donc j'ai travaillé avec des studios de différentes tailles, certains assez petits, d'autres assez gros. Je ne vais pas vous faire la liste ici. Et depuis maintenant janvier de cette année, donc ça va faire un an, j'ai créé mon entreprise à Angoulême et j'espère pouvoir sortir mes propres jeux dans les mois à venir. Du coup, comment se découpe cette présentation ? Je vais essayer de vous parler de manière générale sur l'avènement des analytics dans l'industrie du jeu vidéo, donc c'est-à-dire tous les facteurs et tout le contexte qui sont liés en fait à l'accroissement de l'usage des données dans le monde du jeu vidéo. On parlera notamment du fait qu'on vit dans un monde connecté, qu'il y a eu des améliorations technologiques très importantes sur le sujet, initiées notamment par les GAFA comme Google, etc., qui permettent aujourd'hui à n'importe quelle start-up, pour un coût modique, voire pour un faible coût, de pouvoir récolter de la donnée utilisateur et de l'utiliser. Donc c'est pour ça que je me permets de faire un petit clin d'œil à la CNIL, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'aujourd'hui c'est assez facile, je mets assez quand même, c'est assez facile quand même d'avoir de la donnée utilisateur, soit sur son site web, e-commerce ou autre, soit sur une application de divertissement comme le jeu vidéo. Je vais vous parler aussi de l'importance des analytics dans le contexte d'un monde qui est aujourd'hui financiarisé et où, si vous voulez, du point de vue d'une entreprise, d'une start-up qui souhaite trouver du financement, pouvoir présenter de la donnée utilisateur et pouvoir quelque part montrer que le business qu'on a est profitable, c'est un peu un must-have aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a un espèce d'effet d'emballement dans le sens où sans données, en fait, c'est très difficile de pouvoir parler avec un publisher ou de pouvoir parler avec du risk funding ou quoi que ce soit pour espérer obtenir des financements. Et enfin, je vous aborderai le sujet du free-to-play, qui est un sujet à part entière dans le cadre du jeu vidéo et qui amène des problématiques qui sont différentes du jeu vidéo traditionnel. D'accord ? Enfin, écoutez, avec le temps qui me restera, je serai heureux de vous présenter un exemple très concret d'analyse de données que j'ai réalisé pour un client il y a 2 ans de cela. Et je pense que c'est finalement le meilleur moyen de quelque part d'apporter de la valeur à cette journée, c'est finalement de vous montrer un exemple d'étude de cas que j'ai fait sur de la donnée utilisateur, sur un jeu vidéo qui a été publié sur mobile il y a quelques années maintenant.
Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du jeu vidéo, mais faut savoir que l'industrie du jeu a subi énormément de révolutions depuis 20 ans. Et ça continue encore maintenant, hein. J'ai l'impression, en fait, que de tous les 3-4 ans, il y a un changement technologique ou un changement un peu de mode ou de distribution du produit qui fait que c'est une industrie qui est en évolution constante. Et quand on prend un peu du recul sur les 20 dernières années, c'est assez incroyable, même pour la société au sens large, tout ce qui s'est passé finalement, et comme notre vie a été bouleversée par tout ça. Le point important, c'est que, et je pense, bah, je suis pas le premier à le dire, loin de là, vous devez l'entendre souvent, mais je vais quand même prendre la peine de le répéter, bah, c'est qu'aujourd'hui, on est ultra connecté, en fait. Que ce soit avec nos smartphones, que ce soit avec notre télévision, que ce soit avec notre console, que ce soit avec notre portable, nos tablettes, on est constamment connecté, qu'on le veuille ou non finalement. Et c'est mine de rien la condition de base nécessaire à toute récolte de données, c'est qu'aujourd'hui, bah, tout le monde est connecté d'une manière ou d'une autre à Internet. Le deuxième point que je vais aborder, c'est, je ne vais pas en faire des tonnes parce que ça peut vite devenir très technique, mais c'est qu'effectivement, il y a eu d'énormes progrès technologiques sur la capacité des ordinateurs et sur les outils pour récolter et processer la donnée, en fait. Et ça, c'est très important. Parce que les améliorations technologiques, ce n'est pas juste le fait que c'est possible de le faire, c'est aussi le fait que ça a rendu cette technologie accessible à tout le monde, ou presque tout le monde. Aujourd'hui, vous voulez mettre des analytics sur votre site web, bah, c'est très simple, vous branchez Google Analytics, qui est quasiment gratuit et vous recevez toute la donnée que vous avez envie d'avoir en fait sur votre site web. Vous voulez mettre des analytics dans un jeu vidéo, bah c'est pas compliqué, vous avez Game Analytics, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Par contre, le souci, j'imagine pareil que c'est le genre de choses qui entre pleinement dans le sujet, c'est que Game Analytics c'est un provider analytics pour les entreprises de jeux vidéo qui est gratuit, mais dont l'entreprise de jeux vidéo qui utilise l'outil n'a pas vraiment la propriété de la donnée. Et en fait, Game Analytics est basé en Suède. Il y a un lien avec des universités là-bas, des universités de chercheurs, qui vont ensuite réutiliser la donnée récoltée par les jeux qui utilisent ce service pour faire des thèses, pour faire des recherches, voire même, comme je sais qu'il y a comme il y a par exemple des grosses entreprises de jeux vidéo qui sont actionnaires de Game Analytics, ils vont aussi avoir accès aux données, finalement, sans qu'on le sache vraiment. Tout ça pour dire, en tout cas, qu'il y a eu effectivement d'énormes progrès technologiques, à la fois en termes de puissance et à la fois aussi en termes de coût, en fait, les deux vont ensemble, avec notamment deux grandes révolutions qu'on peut dater aux alentours de 2004 pour la première et 2009-2010 pour la deuxième. La première, elle est purement technique, c'est-à-dire que on a vu des nouveaux outils similaires à ce qu'on appelle les systèmes de base de données SQL qui ont vu le jour et qui permettent en fait de s'affranchir des jointures de table traditionnelles du langage SQL pour en gros avoir une performance accrue de lecture de la donnée sur disque des bases de données qu'on génère en fait avec Internet et le jeu vidéo. Et l'autre virement un peu technologique important, on peut le situer dans les années 2009-2010, avec l'algorithme Bigtable de Google, avec notamment tous les systèmes NoSQL qui, là, eux, sont taillés pour analyser des milliards et des milliards de lignes de données, comme celles générées par exemple par YouTube, par les réseaux sociaux, par Twitter. Et là encore, c'est un NoSQL Hadoop, l'algorithme de Google, il est en open source. Donc en fait, n'importe qui peut s'approprier la technologie et pondre un service qui permet d'analyser de la donnée et ensuite le vendre à des entreprises de jeux vidéo, des entreprises de web, tout ce que vous voulez en fait. Et c'est ce qui s'est passé bien sûr quelques années plus tard. Donc là, je vais parler du coup du cas du jeu vidéo. À partir de 2013-2014, on voit fleurir pas mal d'entreprises qui proposent des SDK tout en un qu'on a juste à plugger sur le jeu et qui vont vous récolter la donnée, vous l'afficher. Et vous donner en fait un service analytique de qualité accessible à bas prix. Et donc Delta DNA, par exemple, voilà, c'est un modèle d'abonnement, vous payez en fonction de votre consommation, ça varie de 500 euros par mois pour une entreprise à plus si vous avez beaucoup de joueurs, mais c'est pas très cher en fait. C'est pas très cher et tout marche si vous voulez. Et c'est donc
c'est finalement assez simple d'avoir accès à sa donnée utilisateur aujourd'hui en 2020. Game Analytics, j'en ai parlé. Pareil, c'est en fait une surcouche qui est construite sur Hadoop, qui a été donc créée en 2009-2010, qui fonctionne avec un front-end assez classique, hein. C'est un site web, une interface sur site web, et où on, pareil, une fois qu'on a branché le service Game Analytics sur son application, on va avoir la donnée qui va remonter, et dont certaines, évidemment, tombent sous le coup de la RGPD. Notamment, on a entre autres l'adresse IP, qui est la variable dans le cas du jeu vidéo, qui est la variable qui nous fait tomber sous le coup de la RGPD, en fait. Parce que à ce stade, j'ai quand même envie de préciser une chose. Dans le jeu vidéo, on utilise des données personnelles, mais comment dire, c'est vraiment pas le cœur du business. On les utilise d'abord et avant tout parce qu'on veut avoir des données de jeu, on veut avoir des données cohérentes et parce qu'on veut améliorer le produit. C'est important de faire cette distinction entre quel emploi fait l'industrie du jeu vidéo avec les données par rapport à ce que vont faire par exemple des Facebook, des Google, des trucs comme ça. Là, si vous voulez, dans le cas de Google, Facebook et compagnie, les données sont le cœur en fait de leur business model. Alors que dans le jeu vidéo, on a besoin des données pour améliorer notre produit de manière un peu scientifique, on va dire. Mais on n'a pas spécialement intérêt à les revendre, etc. Après, je dis ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Peut-être que dans un an ou deux, il va y avoir une entreprise de jeux vidéo qui va se spécialiser dans la revente de données obtenues grâce au jeu. J'en sais rien, hein. Je ne peux pas prédire le futur. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'usage large qui est fait des données dans le jeu vidéo, c'est d'abord et avant tout pour améliorer le produit, la performance du produit. Ensuite, l'enjeu lié quand même à la levée de fonds et au fait de pouvoir trouver des investisseurs ou des publishers pour des jeux vidéo, il est vraiment réel aussi. Aujourd'hui, la croissance de l'industrie du jeu vidéo, elle existe encore sur console, mais ça fait maintenant plusieurs années que ce sont les business models dits free-to-play, les jeux gratuits, qui font un large usage des données utilisateurs, qui ont le plus de succès aujourd'hui et qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc forcément, l'industrie et l'économie suivent le mouvement. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui se lancent dans le monde du free-to-play, dans le monde du jeu mobile, qui soit casual, mid-core ou hardcore. Et donc forcément, qui dit free-to-play dit aussi analyse de données. Et donc, c'est en fait un enjeu important pour toutes les boîtes de pouvoir venir et s'asseoir à la table d'un investisseur et de pouvoir lui montrer ses données. Par exemple, la rétention des joueurs à D+1, à jour plus 1. Ou alors le nombre d'argent dépensé par jour par joueur, etc. etc. Bon, il y en a plein, encore une fois, j'ai que 25 minutes, je peux vraiment pas rentrer dans le détail, mais vous voyez le principe. Aujourd'hui, en fait, il y a un effet d'emballement par rapport à la donnée aussi, parce que pour toute startup qui se respecte, la donnée est presque complètement rentrée dans les mœurs des usages de l'industrie. Et on peut pas aller voir, si on fait un free-to-play, on peut vraiment pas aller voir des investisseurs ou des fonds sans avoir un minimum de données, quoi. Voilà pour le troisième point. Et le dernier point, alors oui, bah voilà, bah en fait, je me suis permis d'anonymiser un message Skype que j'ai reçu, bah voilà, il y a 6 mois. Un client qui me demande, en toute simplicité, est-ce que voilà, vous pouvez refaire une étude pour moi? Parce que j'ai commencé à travailler avec un nouveau publisher et ils veulent en fait avoir un rapport sur l'état du jeu, sur l'état de la performance des métriques du jeu. Et du coup, ils me demandent tout simplement quand est-ce que je suis disponible pour faire cette étude et pour du coup collaborer avec le publisher pour essayer d'apporter le plus d'informations possible. Et c'est normal, hein. Enfin c'est normal, oui c'est normal du point de vue en tout cas des actionnaires et des publishers de vouloir avoir la donnée parce que bah, le propre d'un publisher c'est d'essayer de miser sur le bon cheval et évidemment avec la donnée on peut quelque part savoir à l'avance avant que la course ait commencé si c'est le cheval est bien ou pas quoi. Quatrième point lié à la croissance de l'usage des analytics, c'est le free-to-play. Et je ne peux pas parler d'analyse de données utilisateurs dans le vidéo sans parler du free-to-play. Et pour ça, il y a une chose très simple à comprendre, c'est que avant, quand on était à l'époque des jeux consoles, on va dire, on l'est toujours, hein, mais en tout cas quand il y avait surtout les consoles et l'ordinateur et qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, le business du jeu vidéo, c'était d'abord un business de type retail où vous créez un jeu vidéo pendant 2 ans, 3 ans, vous le mettez à Auchan, à Leclerc, au supermarché, etc. Les gens l'achètent et après c'est fini.
C'est-à-dire que une fois que vous avez acheté le jeu, vous avez un produit fini, il ne va plus vraiment évoluer, et vous avez donné l'argent, ça y est, c'est fini. Tandis que dans le cadre du free-to-play, comme le jeu est gratuit, téléchargeable sur Internet, que ce soit via l'App Store, le Google Store, etc., tous ces stores online, Steam pour l'ordinateur, etc., en fait, l'argent, le business n'est pas généré au moment du téléchargement du jeu. Ce qui veut dire que c'est le jeu lui-même qui doit être, on va dire, assez sexy, assez séduisant pour convaincre l'utilisateur de dépenser de l'argent dedans. C'est ce qu'on appelle dans le jargon game as a service. C'est-à-dire qu'on vend plus vraiment une œuvre, si vous voulez, au sens, je sais pas moi, comme une œuvre de cinéma, on vend un service. Donc on crée un univers, on crée un environnement où une fois le joueur dedans, le joueur va choisir ou pas de dépenser de l'argent. Ce qui veut dire donc que c'est excessivement important pour une entreprise de jeux vidéo de comprendre ce que l'utilisateur fait à l'intérieur de son application pour orienter le design de l'application dans le bon sens et améliorer les métriques, les performances, etc. etc. Et c'est là aujourd'hui où se trouve aussi la croissance dans l'industrie. Si on regarde un peu l'évolution du free-to-play, elle est extrêmement rapide aussi. Dans les années 2014, on a eu une nouvelle audience qui a été ouverte par le succès de Facebook, qui a été ce qu'on appelle l'audience casual, c'est-à-dire que toute une population de personnes qui étaient âgées de 30 ans et plus dans les années, on va dire voire 40 ans et plus dans les années 30-40, ont soudainement via Facebook, ont commencé à jouer à des jeux vidéo sur Facebook, comme par exemple Candy Crush Saga, c'est un exemple assez connu, Farmville est l'exemple qui est un peu la genèse de cette mouvance, et ça a continué ensuite sur mobile. Et ça a ouvert un nouveau marché pour le jeu vidéo qui, auparavant, était cantonné aux mâles de 16 à de 12 à 20 ans qui ont des consoles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, quelque part, pour la première fois, excusez-moi pour le cliché, mais le jeu vidéo a pu soudainement atteindre un nouveau marché qui est celui de la ménagère de 50 ans de TF1, par exemple. Je suis désolé pour le cliché, hein, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais c'est en gros ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, toute l'industrie du jeu vidéo traditionnel qui vendait des jeux en boîte et qui faisait du jeu pour des hardcore gamers, etc., s'y est mise en fait. Et donc on a eu pléthore de jeux dans les années 2017 qui cette fois-ci ciblent beaucoup plus un public plus jeune, avec des thèmes de masculinité hégémonique, la guerre, la violence. Bon, il y a aussi quand même des jeux de stratégie, il ne faut pas exagérer, des jeux de cartes comme Hearthstone, des jeux d'aventure, de RPG. Mais en tout cas, en fait, une grande partie de l'industrie a pris ce tournant du free-to-play. J'ai pas le temps de m'étendre sur pourquoi le free-to-play peut générer beaucoup plus d'argent que les jeux traditionnels. Mais en gros, sachez qu'en fait, que grâce au free-to-play, un utilisateur va dépenser de l'argent dans le jeu par petites touches, ou parfois par grosses touches aussi, mais de manière régulière et de manière étalée dans le temps. Tandis que dans l'ancien business model, si vous voulez, c'était d'un point de vue rentabilité, c'était quand même assez compliqué. Vous lancez votre jeu, vous êtes obligé de ne pas rater Noël. Si vous ratez Noël, vous êtes mort. Il faut absolument que le jeu soit remboursé dans la première semaine qui suit le lancement du jeu. Donc en gros, 50% des profits totaux du jeu sont réalisés la première semaine de son lancement dans le cadre de l'ancien business model. Et donc c'était très compliqué pour l'industrie du jeu vidéo parce que notamment les studios étaient complètement pris à la gorge par le fabricant de consoles qui prend 30%, le publisher qui prend 30%, Auchan, Leclerc qui prennent 30%. Il reste plus que 10% pour le studio. Aujourd'hui, avec le dématérialisé et la possibilité d'update le jeu, de le distribuer beaucoup plus facilement, en fait, ça a donné lieu à une explosion de créativité aussi quand même sur le marché du jeu. Et là, on est en 2020, et de nouveau, la qualité des produits qui sont délivrés sur le marché du free-to-play, sur le marché du jeu vidéo, n'arrête pas de s'accroître. Et on voit finalement des jeux avec un énorme niveau de réalisation, de qualité, qui arrivent sur le marché du jeu en free-to-play. On a Fortnite et PUBG qui sont la dernière mode et qui touchent notamment un public jeune, par exemple. On a encore rajeuni la moyenne d'âge des joueurs de free-to-play. On a Valorant, qui est arrivé maintenant il y a quelques temps, de Riot Games, et Genshin Impact, qui est aussi un jeu intéressant parce qu'il sort à la fois sur PlayStation et sur mobile, qui est un RPG, un gacha en free-to-play. Voilà du coup un peu pour tout le contexte qui, quelque part, entoure l'usage des analytics dans le jeu vidéo.
Je vais rajouter une dernière chose en fait sur la façon de faire du jeu vidéo free-to-play qui repose énormément sur l'optimisation et l'optimisation avec les données évidemment. Aujourd'hui, on est sur des cycles de production qui sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire que l'aspect itératif de la production d'un jeu vidéo a été énormément renforcé par ce business model free-to-play et où la data finalement est placée un peu au cœur du processus de design. Aujourd'hui, on arrive à avoir des productions qui vont faire de 6 mois à 1 an. On a une phase de design, une phase de développement. Et la pratique courante dans le monde du jeu vidéo maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle un soft launch. Un soft launch, c'est quoi? C'est quand on lance le jeu sur un territoire au périmètre limité, de manière, un peu comme quand on observe un bocal de poisson rouge, de manière à voir comment le public, comment les joueurs réagissent au produit. Et à partir de là, on va laisser le jeu en soft launch pendant une période de temps un peu indéterminée, où on va chercher à itérer le produit grâce aux données utilisateurs pour que le produit atteigne un niveau de performance qui soit satisfaisant. Et donc, une fois que ce niveau de performance est satisfaisant, ensuite, on part dans ce qu'on appelle le hard launch, où là, on va dépenser de l'argent dans le marketing pour faire venir le plus de monde possible dans le jeu. Et c'est un cycle en fait qui continue après. C'est-à-dire que on va avoir des cycles de release de nouveaux contenus tant que le jeu est profitable, où en gros, c'est toujours pareil, on va regarder la donnée utilisateur, on va l'exploiter, la triturer un peu dans tous les sens pour obtenir des informations sur ce que font les utilisateurs dans le jeu. On va donc choisir nos choix de développement en conséquence et très rapidement, on va essayer de sortir ces changements via un update, etc. Donc voilà, la manière de faire du jeu vidéo aujourd'hui dans le monde free-to-play, c'est vraiment ce côté optimisation et peaufinage grâce aux données utilisateurs. Voilà. La meilleure image que je peux vous donner, c'est celle-ci finalement. C'est qu'aujourd'hui, pour faire du jeu vidéo free-to-play, on se sert de la donnée et on démarre souvent avec un produit qui est à peine fini. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de Minimum Viable Product, le MVP, qui est en gros un jeu qui est à moitié fini et qui contient quand même toutes les features les plus importantes du jeu, ce qui permet quand même de jauger un peu de sa qualité. Et puis, au fur et à mesure des updates, pendant la phase de soft launch, pour info, la phase de soft launch, les pays qu'on utilise pour le soft launch dans l'industrie du jeu vidéo, c'est souvent la Belgique si on veut avoir une idée du marché français, ou l'Australie ou le Canada si on veut avoir une idée du marché anglo-saxon. C'est voilà, juste les pays les plus courants. Si vous voulez savoir les jeux qui vont bientôt sortir, vous allez sur l'App Store d'Australie ou l'App Store belge pour les jeux français et vous trouverez souvent des jeux parfois de gros publishers qui sont un peu en train de dormir dans le sens où il y a seulement une petite quantité de joueurs qui y jouent, mais ça permet de récolter la donnée et d'améliorer le produit. Hop. Donc voilà pour finir sur cette première partie, j'essaie de faire un peu vite pour avoir le temps de tout dire. Donc pourquoi l'usage des données aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo? Il y a vraiment quatre facteurs importants. Déjà le premier, le plus important peut-être, c'est le fait qu'aujourd'hui on vit dans un monde connecté où tout est lié à Internet ou presque d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des améliorations technologiques, des progrès technologiques qui font que l'analyse de données aujourd'hui est accessible à la moindre petite start-up qui fait une ou deux personnes et qui n'a pas forcément beaucoup de financement, mais ce n'est pas grave, elle peut faire appel à des entreprises spécialisées qui se sont créées dans les années 2014-2015, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Enfin, c'est extrêmement important d'avoir ces analytics parce qu'on est sur des business models free-to-play où le but, c'est d'optimiser et d'améliorer le produit pour espérer maximiser son rendement et pour ensuite convaincre des publishers de nous donner de l'argent en tant que studio pour faire quelque part exploser un peu l'audience du jeu. Donc voilà pour l'usage des analytics dans le jeu. Maintenant, je vais vous montrer un cas d'exemple très très concret de qu'est-ce que va faire un data analyst pour améliorer cette fameuse performance. Donc c'est ma deuxième partie. Un exemple d'analyse de cas. Et c'est ça porte sur le jeu Century Siege qui est sorti maintenant il y a pas mal d'années en hard launch, mais dont le studio continue à faire un peu appel à moi pour améliorer le produit. Il est disponible sur l'Apple Store, disponible aussi sur le Google Store. Si vous tapez Century Siege, vous trouverez le jeu facilement. De toute façon, j'ai mis les liens, mais voilà.
Alors, je vais essayer de vous contextualiser de la manière la plus simple possible, sans être trop technique sur ce que contient l'étude. Alors, ce qu'on voit ici, en fait, c'est un graphique en ligne avec la date en axe des X, avec l'aire d'effet grise qui contient le nombre de joueurs connectés sur l'application à chaque jour, et la ligne bleue constitue en fait une métrique de performance qu'on appelle la rétention D+1. Et donc, la rétention D+1, c'est tout simplement la quantité, le pourcentage de joueurs connectés le lendemain de leur première connexion au jeu. Pourquoi je vous montre ce graphique? C'est parce qu'en fait, ce client est venu me voir du coup vers début février 2019 et m'a dit « Thibaut, on est vraiment embêté, on a fait un update sur le jeu vers mi-décembre 2018 et on se rend compte que notre rétention a baissé. » Alors qu'on pensait que le fait de faire cet update, bah évidemment, on rajoutait des features, on avait amélioré l'interface, on pensait que ça allait en fait améliorer les performances et là, ça les a baissées. Donc on est super embêté et on aimerait en fait que tu fasses une étude sur la rétention de ce jeu. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer maintenant les events auxquels j'avais accès moi en tant que data analyst sur l'application. Là en fait, ce que vous voyez, c'est des captures d'écran du jeu avec une scénarisation du tutoriel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu vidéo, le tutoriel, c'est de manière très classique, c'est le moment où on apprend aux joueurs à jouer au jeu. Et donc là, vous voyez le début du tutoriel où après un écran de chargement, et là déjà, il faut savoir que rien que pendant l'écran de chargement, le jeu m'envoie 4 events, des user lost et return focus, qui sont en fait le fait que le joueur met le jeu en arrière-plan pendant que c'est en train de charger, par exemple. App launch first, qui signifie en fait que c'est la première fois que l'utilisateur ouvre l'application. Open arena first, qui signifie que le joueur vient d'arriver dans la première arène du jeu. Ensuite, on commence le combat, il y a un petit bonhomme qui vient nous parler. Donc là, à ce moment-là, je reçois l'event start tutorial, d'accord? Il y a quelques bulles pour lesquelles je n'avais pas d'informations, il n'y avait pas eu de tag de mi, mais si je l'avais demandé, on les aurait mis, hein. Et puis ensuite, le joueur, après avoir joué quelques cartes, va utiliser pour la première fois une carte de bombe. C'est l'event qui est envoyé ici. Ensuite, il va utiliser son général, il va détruire son premier building. Il va avoir une pop-up qui lui dit « Bravo, tu as gagné » avec des récompenses. Nouveau écran de chargement, d'accord. Et là, ensuite, à partir de ce moment-là, l'expérience dans l'application devient non linéaire. C'est-à-dire que j'ai toujours des events, mais si vous voulez, c'est à moi de reconstituer l'ordre dans lequel ils apparaissent parce que, si vous voulez, il n'y a plus d'ordre particulier. Le joueur est censé, en fait, entrer son nom, son pseudo. Donc, ce n'est pas une donnée RGPD, ça. Hein, c'est juste un pseudo dans le jeu. Et il va avoir ensuite, depuis le menu, accès à plusieurs fonctionnalités de l'application. Et il faut savoir que chacune de ces sous-fonctionnalités, là encore, j'ai des events qui sont envoyés à différents endroits en fonction des actions réalisées par l'utilisateur. À l'époque, il y avait aussi des fonctionnalités qui n'étaient pas encore présentes. Je vous rappelle qu'on est dans une logique de soft launch où le jeu est à moitié fini. Par exemple, les deux sous-menus qui sont ici et qui sont aujourd'hui en 2020 complètement fonctionnels, hein. À l'époque, il n'existait pas, il y avait juste un petit bonhomme qui nous dit cette partie du jeu est en construction. D'accord ? On a dans le jeu, il y a quoi ? Du coup, on peut aller récupérer un daily reward, on peut commencer à ouvrir son premier coffre, il y a un timer dessus, on peut aller visiter sa collection, ou bien sûr, on peut aller visiter le shop qui contient des biens à acheter avec de l'argent réel. Je me permets de préciser quand même. Et donc moi, la première chose que j'ai faite, c'était de me concentrer sur la rétention du joueur lors de son tout premier combat dans l'application. Et donc c'est ce graphique-là que je vais vous présenter et sur lequel je vais passer un peu de temps. J'ai mis en fait dans l'ordre tous les steps du jeu, tous les steps du premier combat. Je vous rappelle lesquels. On a les user loss focus, on lance l'application pour la première fois. Comme vous le voyez, on a déjà perdu des utilisateurs à ce moment-là. On a le commencement du tutoriel, puis on a la première utilisation d'une carte de bombe. Et là, vous voyez qu'on perd presque la moitié des joueurs, un peu moins quand même, on en perd, on va dire, un tiers. Puis on détruit son premier bâtiment, puis on va avoir le premier loading, et enfin, on va rentrer son nom. Et donc, rien que sur ce graphique, on a déjà beaucoup d'informations. Il faut savoir que la taille des barres, c'est en fait le temps médian en termes de secondes pour un utilisateur pour compléter un step.
D'accord. C'est pour ça que les barres, en fait, elles ont des tailles différentes. C'est parce que là, vous avez une idée du temps passé dans l'application. Ensuite, le pourcentage qui est exprimé, les 0,84, les 0,16, ils ont l'air assez petits par rapport au fait qu'on perd beaucoup de monde. C'est parce qu'en fait, ils sont calculés par seconde. Il faut imaginer en fait que la rétention des joueurs dans une application, c'est un peu comme de la tuyauterie. C'est-à-dire qu'il y a l'eau qui coule dans les tuyaux, dans différents endroits, dans différents tuyaux. Et en fait, vous allez avoir, je ne sais pas moi, des trous dans les tuyaux ou des mauvais joints. Et du coup, l'eau en fait, elle fuit. En quelque sorte. Et là, en fait, le principe pour moi, c'est de comprendre pourquoi l'eau fuit dans certains tuyaux. Et donc, comme on peut le voir, sur l'event, utiliser la première carte de bombe, et ben en fait, on perd 0,84% des joueurs par seconde. Par seconde. Et donc, du coup, dans la mesure où le step prend 40 secondes, vous voyez ce que je veux dire, prend 40 secondes à être complété, ben ça veut dire qu'on a perdu quelque chose comme 30% de tous les joueurs qui ont essayé de réaliser ce step. Ce qui, alors, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est vraiment énorme. J'avais rarement vu un tel step qui n'est pas si long que ça en plus, qui dure que 40 secondes, faire perdre autant de joueurs dans l'application, sur la pléthore de jeux que j'ai analysé durant mes 5 années de carrière. J'avais rarement vu un gap pareil quand même. Et donc, j'étais un peu dubitatif. Et là, à ce moment-là, en tant que data analyst, vous avez tout de suite, il faut commencer à imaginer des hypothèses sur pourquoi les joueurs s'en vont alors que finalement, c'est les 40 premières secondes du premier combat passé dans le jeu. Il peut y avoir plusieurs raisons et certaines sont d'ailleurs pas très réjouissantes pour le développeur du jeu. Par exemple, on va avoir des raisons comme j'aime pas le jeu, c'est moche. Ça peut faire rigoler, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs qui vont avoir parfois une espèce de réaction allergique quand ils voient l'écran, le premier écran de jeu et qui vont juste s'en aller parce que voilà, ils aiment pas. Peut-être qu'il y a des problèmes techniques. C'est-à-dire que si, je sais pas, moi, sur une partie des devices du marché, le jeu plante ou bug, il est évident que ça va faire quitter les joueurs. Ensuite, il y avait une autre critique que j'avais quand même notée dans ma tête. Faut savoir que le jeu est assez similaire à un autre jeu très connu de l'App Store qui s'appelle Clash Royale, édité par Supercell. Et donc peut-être que comme le jeu ressemblait beaucoup à Clash Royale, peut-être que certains des joueurs, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Ouais, c'est la même chose, je m'en vais ». Donc, il y avait du coup beaucoup de raisons potentielles, mais le problème, c'est que pour certaines de ces raisons, il n'y a rien de vraiment actionnable pour mon client. Je peux pas revenir vers lui et lui dire bon votre jeu, je sais pas, tout le monde s'en va au bout de 40 secondes, il est un peu nul, faut que vous changiez de jeu. Ça c'est absolument pas possible en fait de dire ça quoi. Il fallait que j'essaie de faire mon travail de data analyst et essayer de trouver du coup ce qui se passait parce que j'étais quand même très surpris. Le côté oui j'aime pas, je m'en vais du jeu, bien sûr il existe, mais jamais dans des proportions pareilles. Donc j'avais bon espoir de pouvoir trouver quelque chose. Désolé pour la résolution des images, j'ai pas mieux. Voici un peu la timeline de ce qui se passe pendant ces fameuses 40 secondes où on perd 30% des joueurs. On a juste un premier personnage qui nous parle, il nous propose ensuite de jouer une de ces trois cartes, de les poser sur le terrain de jeu, et puis au bout d'un moment, il nous propose de jouer la carte de bombe. Et là, donc, il s'écoule à peu près 30 à 40 secondes. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé retester le jeu une nouvelle fois, je l'avais déjà testé il y a 3 mois, je l'ai retéléchargé sur mon téléphone, je l'ai réouvert et je l'ai retesté, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait sur iPhone, quand le fait que les icônes étaient placées si bas sur l'écran, ça faisait en fait ce qu'on appellera un retour menu. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle ont des iPhones ou pas, mais il faut savoir que toute la génération d'iPhone qui va de iPhone 4, même iPhone 3, je crois, à iPhone 6, en fait, à chaque fois que vous passez votre pouce en bas de l'écran et que vous faites un petit swipe, vous faites pop un menu qui vous fait en fait qui va mettre en arrière-plan l'application et qui va vous proposer l'écran suivant avec lampe torche. Vous savez, c'est des options un peu de. Des options un peu d'utilitaire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un problème qui survenait assez souvent quand on essayait de saisir une carte. Parce que les cartes, en fait, elles sont en bas de l'écran et le principe, c'est de les drag and drop sur la scène de combat. Et donc, je suis allé voir justement leur concurrent principal, Clash Royale, et je me suis bien rendu compte que Clash Royale, effectivement, ils ne faisaient pas du tout pareil. Ils avaient placé en fait la barre d'énergie en bas des icônes,
alors que les icônes, ils étaient beaucoup plus hauts, ce qui faisait que le bug, ou en tout cas le souci, on va l'appeler comme ça, ne se produisait pas en fait, parce que la position du doigt, elle est plus haute. Alors que dans le cas de Century Siege, comme ils avaient choisi de mettre la barre d'énergie en haut des cartes, alors c'est joli, c'est presque plus joli même, mais le problème, c'est que les icônes se retrouvaient beaucoup trop près de la zone qui trigger le retour en fait, le retour menu. Donc c'était évidemment la piste principale que j'ai cherché à explorer avec la donnée pour comprendre si c'était bien ce qui se passait, et effectivement, sans surprise, parmi les joueurs en fait qui n'accomplissaient pas le step pas de carte bombe utilisée, il y en avait 67% qui avaient bien des retours écran. Et à l'inverse, parmi ceux qui effectivement accomplissaient le step utiliser la carte bombe, il y en avait 92% pour lesquels cet événement ne se produisait pas. La suite de l'étude, ça a été bien sûr d'affiner en fait cette première conclusion. Et pour ça, mon objectif, et c'était finalement assez simple à partir de là, c'était d'identifier les devices sur lesquels le bug se produisait le plus souvent. Je vous ai parlé des iPhone 4 à 6, ça peut aussi se produire sur tablette, et de manière générale, c'était un problème qui avait tendance à se produire plus la résolution de l'écran était faible. Et là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon data analyst, c'est en fait un graphique de corrélation où on va regrouper tous les joueurs en fonction de leur résolution d'écran. La taille des ronds, c'est le nombre de joueurs qui ont cette résolution d'écran lorsqu'ils jouent au jeu. Et en axe des X, j'ai mis tout simplement le pourcentage de joueurs qui complètent le premier combat. Donc en gros, qui ont au moins utilisé la carte bombe. Et on voit bien que sur les petites résolutions, les 1104x720, 712x1162, qui sont plutôt des vieux modèles. Hein. Aujourd'hui, si vous avez des iPhone 10 ou je sais pas quoi, ou des devices récents, que ce soit Android ou iOS, on n'a pas ces résolutions-là, elles sont beaucoup plus hautes. Et en fait, on voit bien que plus la résolution est basse, et plus le pourcentage de joueurs qui terminent le premier combat est faible. Et évidemment, plus elle est haute, à l'inverse, plus le pourcentage de joueurs qui finit le premier combat est élevé. Je vais pouvoir terminer. L'autre dernier point maintenant pour répondre à la première question que mon client m'a posée, c'est que pourquoi la rétention de l'ensemble était plus faible en janvier qu'en décembre, quand ils ont fait aussi de l'acquisition d'utilisateurs, c'est tout simplement parce qu'en décembre, début décembre, ils avaient fait de l'acquisition sur la plateforme Android. Et le bug, le problème existait déjà sur iOS à cette époque, mais comme ils ont fait de l'acquisition utilisateur uniquement sur Android, ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Et quand c'est finalement, malgré les updates qu'ils ont fait sur le jeu durant cette période-là, quand ils ont commencé à faire de l'acquisition sur la plateforme iOS, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de problèmes, et notamment l'analyse de données dans ce cas précis a permis d'identifier justement ce qui n'allait pas. Donc ça, c'est juste un sommaire des recommandations que je leur ai données suite à mon étude. Donc j'ai bien mis que c'était une priorité absolue, il fallait absolument inverser la position de la barre d'énergie avec les icônes, parce que c'est sûr et certain que ça compte pour une large partie des utilisateurs qui jouent le jeu. Et après, j'aurais ajouté d'autres recommandations un peu plus mineures, comme est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un step où il faut rentrer son nom, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas en général. Que ce soit d'ailleurs une adresse mail ou n'importe quoi, tous les steps où on demande des informations à l'utilisateur, même des informations superficielles, hein, comme rentrer le nom de son avatar, c'est des choses qui font tendance à faire partir les joueurs parce qu'on les trouve intrusives. C'est de la psychologie humaine de base, du coup. Je leur ai recommandé d'augmenter la taille des icônes et je leur ai aussi mentionné que je soupçonnais quand même aussi des problèmes techniques de FPS sur certains devices du marché. Et voilà leur nouvel écran. Quelques semaines plus tard, ça fait un moment qu'il est resté comme ça maintenant. Il est plutôt joli, j'ai réussi à trouver une meilleure résolution, mais vous voyez qu'en quelques semaines, le studio a réagi. Ils ont inversé la place de la barre d'énergie, ils l'ont mise en bas plutôt qu'en haut. On a toujours la fameuse bombe carte qui est là maintenant. Et voici un autre, voilà, une capture d'écran de jeu en meilleure résolution que les captures que j'ai ailleurs, là, c'est tant mieux. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Et du coup, la rétention des joueurs dans l'application s'est améliorée. Et évidemment, si l'expérience de jeu est plus satisfaisante, qu'il y a moins de problèmes, il est évident que les revenus vont aussi augmenter. Parce qu'un joueur qui quitte une application, c'est un joueur qui ne dépensera pas d'argent dedans, ça c'est évident. C'est pour ça que la rétention dans le cadre des applications free-to-play est au moins aussi importante que la monétisation en fait. Et que, je me permets de le dire, une grande partie des études que je fais repose plus sur l'amélioration de l'expérience utilisateur que sur
essayer de trouver des biais psychologiques pour arnaquer les utilisateurs et leur faire dépenser de l'argent. Enfin, j'ai jamais eu d'études de ce genre-là à réaliser, hein. J'essaie toujours essayer de faire le meilleur produit possible, en fait.